I want to ask you this question. J'aimerais te poser cette question. Who will take over? Qui va prendre le contrôle? After you. Après toi. I have been experiencing. J'ai eu à expérimenter. A lot of challenges. Beaucoup de défis. In the body of Christ. Dans le corps de Christ. To Christians. Aux chrétiens. To pastors. Aux pasteurs. Bishop. Les bishops, reverends, les reverends, and all the like. Et tout autre. They are called very great. Ils sont appelés très grands. They manifest so powerfully. Ils manifestent puissamment. When they walk, you see the move of God. Quand ils marchent, tu vois le travail, l'avancée de Dieu. But when they die, mais quand ils meurent, that is the end. C'est la fin of their destiny. De leur destin. That is the end of their gift. C'est la fin de leur don. That is the end of their blessings. La fin de leur bénédiction. You never see someone who will manifest like them again. Tu ne vas plus jamais voir quelqu'un d'autre you manifester comme eux. You never see someone who will prophesy like them again. Et tu ne verras plus quelqu'un prophétiser comme eux. You never see someone who will heal like them again. Tu ne verras plus quelqu'un guérir comme eux. I have studied the whole Bible. J'ai étudié toute la Bible. I discovered only few people. J'ai constaté rien que peu de personnes. Handed over their mantle to their sons. Donne leur manteau à leurs fils. A lot of them died with it. Beaucoup d'entre eux meurent avec. A lot of them died with the blessings that God released to them on earth. Beaucoup d'entre eux meurent avec les bénédictions que Dieu les a données ici Men dans le monde. Men of God. Les hommes de Dieu. Teachers of the law. Les enseignants de la loi. Have become so stingy. Sont devenus tellement chiches. That they use the blessings of God. Qu'ils utilisent les bénédictions de Dieu. After using it. Après avoir utilisé. When they become older or quand old. Quand ils sont vieux. They are very stingy. Ils sont tellement chiches. To hand the blessing to someone to take over. De donner cette bénédiction à quelqu'un d'autre de prendre le contrôle. They decide to die with the blessing. Et ils décident de mourir avec les bénédictions. And quench the fire. Et éteindre le feu. Behind their calling. Derrière leur appel. Churches that were great after 5 years. Donc après 5 ans. When the overseers died. Quand le visionnaire meurt. After 5 years, you no more hear those churches again. Après 5 ans, tu ne comprends plus l'église. Does it mean that God has died too? Est-ce que ça veut dire que Dieu est aussi mort? Absent. L'absence. To look for someone. De chercher quelqu'un. To take over. Pour qu'il prenne contrôle. If you die today. Si tu meurs aujourd'hui. Who will take over? Qui va prendre contrôle? Yes, you are so great. Oui, tu es tellement yes, grand. Yes, you are so educated. Tu es tellement éduqué. Yes, you are so rich. Tu es riche. But does it mean that when you die, your riches will stop? Mais est-ce que ça veut dire que quand tu vas mourir, tes richesses vont does arrêter? Does it mean that when you die, they will forget about you? Ça veut dire que quand tu vas mourir, on t'oublie? The greatest error you can ever do in life. La plus grande erreur que tu puisses faire dans la vie. Is not to teach someone. Ce n'est pas d'enseigner quelqu'un. The way and the source of your blessings. Les voies et les sources de tes bénédictions. The greatest error you can do in life. La plus grande erreur que tu puisses faire dans la vie. Is not to show someone. C'est de ne pas montrer the à quelqu'un. Secret of your strength. Le secret de ta force. So that when you die, he will take over. God is looking for those. Dieu cherche ceux. That will multiply workers in the body of Christ. Qui vont multiplier les travailleurs dans le corps de Christ. Not those that will reduce workers and make them to be limited in et the body of Christ. Ceux qui vont réduire les travailleurs et être limités dans If le corps de Christ. Jesus Christ si Jésus-Christ was limited était limité without transferring mantle to the disciples sans transférer le manteau aux disciples you will not be here to know about God tu ne vas pas être ici pour connaître Dieu I will not Dieu. Be here to know about Jesus Christ je ne vais pas être ici pour connaître par rapport à Jésus Jesus Christ mais Jésus-Christ transferred the mantle a transféré le manteau when he was about to go quand il était sur le point he de partir asked Peter il a demandé à Pierre Peter Pierre do you love me est-ce que tu m'aimes more than this plus que ceci. And Peter said, et Pierre a dit. Yes, I do. Jesus said, et Jésus a dit. Shepherd my sheep. Dirige mes brebis. What is the meaning of that word? Shepherd my sheep. Quelle est la signification de cette parole? Dirige mes brebis. It simply means. Ça veut simplement dire. Jesus said to Peter. Jésus a dit à Pierre. Take over. Prends my responsibility. De mes responsabilités. We are living in a world. On vit dans un monde. Where men of God. Où les hommes de Dieu. Has built barriers on the altar. Ont construit les barrières sur les autels. They don't want to allow some people to climb on the altar and preach. Ils ne veulent pas laisser certaines personnes monter sur l'autel et By prêcher. By so doing, they call it righteousness. Et en faisant cela, ils appellent cela justice. Me, I don't call it righteousness. Moi, je n'appelle pas cela justice. I call it stinginess. J'appelle cela être chiche. Of God. Certains hommes de Dieu exercise the faith. Exerce leur foi. By telling their sons. En disant à leurs filles. Do you know how I suffer to stand here? Est-ce que sûrement ils
souffrir pour me tenir ici. They think it is gospel they are preaching. Eux pensent que c'est l'évangile qu'ils sont en train de prêcher. That is fallacies. If you have suffered to gain something, si tu souffres pour avoir quelque chose, let others celebrate because of your sacrifice. Laisse les autres célébrer à cause de ton sacrifice. Let others celebrate because of your pain. Laisse les autres célébrer à cause Jesus de ta douleur. Jesus suffered so that you will be resurrected. Jésus a souffert pour que tu sois ressuscité. And you suffer to build an altar. Et toi, tu as souffert pour construire un hôtel. Even though you suffer, même si tu as souffert, don't you know it is grace? Est-ce que tu ne sais pas que c'est la grâce? You did not build on your own. Tu n'as pas construit par toi-même. You did not choose to stand on the altar on tu your own. Tu n'as pas choisi de te tenir sur l'autel par toi-même. Remember, for you to be champion today, rappelle-toi pourquoi toi tu es champion aujourd'hui. Yesterday. Tu avais commis les erreurs hier. If people and your overseers were looking at the error you committed, si they would not give you platform to be where you are today. Si les gens regardaient les erreurs que tu commettais, ils ne devaient pas te donner la plateforme d'être là où tu es aujourd'hui. Looking at the downfall. Regardez l'échec. Or the ignorance of a learner. Ou l'ignorance de celui qui apprend. Does not make him. Ne lui rend pas. Or her. Ou elle. Weak. Faible. Handicap. Handicap. Stubborn. Têtu. Inability to do what you want them to do. L'inhabilité de faire ce que tu veux qu'ils fassent. Does not make them stubborn. Cela ne les rend pas têtus. Give them a chance to learn. Donne-les une chance d'apprendre. When they will reach there, et quand ils arriveront là, they may be better than you. Ils pourront être mieux même que and toi. Your name will be heard because of them, not because of you. Et ton nom serait compris à cause de pas One à cause of the de toi. Greatest investment un des plus grands investissements dans le monde is to put upon something that you will admire it and the world will rejoice over it. I want to ask you this question. J'aimerais te poser cette question. Who will take over? Qui va prendre contrôle? After you. Après toi.